Salut tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage ces délicieux petits gâteaux à déguster au moment du thé ou du café. Pour les ingrédients, j'aurai avoir besoin de 3 œufs, les zestes d'orange et de citron, vous pouvez les remplacer par la vanille, 150 g de sucre, 160 ml de l'huile végétale, cacao amer et bien sûr la farine blanche de blé tendre que j'ai tamisée à l'avance avec un sachet et demi de levure chimique l'équivalent de 14 g. Alors, comme vous voyez dans ce récipient, j'ai mis les 3 œufs avec les zestes d'orange et de citron, la pincée de sel, le sucre. Je vais bien fouetter à la main. Par la suite, je rajoute les 160 ml de l'huile végétale en continuant de fouetter. Voilà. Maintenant, je rajoute une grande cuillère à soupe de cacao amer tamisé avec la levure chimique 14 g et la farine blanche en petite dose jusqu'à ce que je ramasse la pâte qui doit être homogène et tendre. Après avoir ramassé la pâte, regardez la consistance, elle doit être comme ceci, homogène et en même temps tendre. Ici, vous en avez le choix de confectionner des petites boulettes ou bien des petites bandes de pâte. Après avoir terminé, je vais les enfourner au four préchauffé à 180 degrés, 12 à 15 minutes maximum en les surveillant. Après la cuisson, les voilà. Ça sent vraiment trop bon. Je les ai laissés tiédir avant de passer à la finition. Alors pour cela, j'ai choisi de les tremper dans la confiture d'abricot, puis les enrober de noix de coco râpées mélangées avec le cacao amer. Alors, je vais préchauffer la confiture mélangée avec l'eau de fleur d'oranger, à peu près 3 grandes cuillères à soupe, pour que ces petits gâteaux l'absorbent bien. Alors maintenant, je trempe les gâteaux. Je les laisse. Il faut les laisser quelques minutes absorber la confiture avant de les enrober de noix de coco mélangées avec le cacao amer. Si vous appréciez la recette, je vous invite à découvrir d'autres recettes de gâteaux traditionnels, modernes, des gâteaux sans cuisson, toujours faciles et simples à réaliser sur ma chaîne.
Après avoir terminé, les voilà. Très très délices au moment du thé ou du café. Je vous invite vraiment à les tester. S'il vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, le partage et de me laisser vos commentaires. Je vous remercie et à la prochaine.